Alors, le livre qui a changé ma vie, c'est Pobouille d'Émile Zola. Donc, j'ai 13 ans, je pars en vacances à Paris et ma mère m'offre ce livre que je commence à lire dans le train et qui produit un effet incroyable sur moi. Pobouille, c'est l'histoire d'un immeuble, c'est l'espèce de la radiographie d'un immeuble haussmannien à la fin du 19e siècle. Et c'est un livre qui me décrit en fait les différentes classes sociales, des plus riches aux plus pauvres, le côté des cuisines et le côté de la rue, et qui met en place toute une société. Et je pense que ce livre m'a énormément chamboulée, m'a beaucoup bouleversée, parce que ça a été aussi un moyen pour moi de comprendre que la littérature est un moyen de connaître le monde, est un moyen de connaître le monde dans lequel je vis par l'affection, par ses personnages. Il y a des scènes assez impressionnantes dans ce livre, des scènes très crues. Le style est extrêmement vif, très documentaire. Et je pense que pour moi, ça reste un livre très important qui a complètement modifié le rapport que j'avais au livre et à la littérature.